Je vous fais juste un petit refrain pour parler d'un truc qui m'énerve. Et cette connerie au quotidien, c'est pas des gens de droite qui me la servent. J'entends parfois dire ça et là qu'il y a trop d'humains dans notre bas monde, et que pour se sortir de là, il nous faudrait une hécatombe. Il n'y a pas une femme ou un homme qui soit de trop sur cette terre. Il y a de quoi nourrir tout le monde en somme, à part peut-être les milliardaires. Dire que le problème sur la planète, c'est une affaire de surnom. Que ce soit naïf ou malhonnête, ce serait lâcher la proie pour l'ombre. Faut dire qu'au grand jeu du partage, il y a des champions de la triche et personne pour donner des gages. Pas de case prison pour les riches. Y a pas un garçon ou une fille à qualifier d'excédentaire qui pèse trop lourd juste par sa vie, à part peut-être un milliardaire. Comme par hasard, ce que ça concerne, ce sont ces salauds d'Africains qu'ont pas la démographie en berne comme les gentils européens. Question émission de CO2, y a qu'à regarder les statistiques. Le jour où on pollue comme eux, fini le changement climatique. C'est marrant, c'est ceux qu'on opprime qui sont coupables dans l'affaire. Je me demande à qui profite le crime si ce n'est pas un milliardaire. Enfant d'un pays développé, alternatif et écolo, avoue que pour cette idée tu t'es pas fait une ampoule au cerveau. Quand c'est tradition et médecine, tu fantasmes l'Inde et la Chine. Mais quand ça parle démographie, tu as des doutes, tu te méfies. Je t'entends souhaiter une famille, une épidémie ou une guerre. Mais entre ton discours dessine les bénéfices des milliardaires. Peut-être pourrais-tu commencer par un truc bien plus ordinaire, genre arrêter de consommer ce qui finance les actionnaires. Je me permets de te rappeler, toi qui crains qu'on crève la dalle, que ton steak de supermarché pèse 1 kilo en céréales. Et s'il reste désirable qu'on ne soit jamais 20 milliards, j'ai pour toi un truc imparable qui passe pas par les corbillards. Offrir aux filles l'éducation, leur donne les outils pour choisir un peu mieux la vie qu'elles mèneront, le nombre de bouches qu'elles veulent nourrir. Mais si elles tombent malades, c'est con pour elles, l'école c'est terminé. Et là, c'est la vaccination qui peut le mieux les protéger. Si t'es un anti-vax, mon pote, bravo, t'as atteint le sommet. Tu flingues d'une pierre de coup, jackpot, c'est l'écologie et la santé. Tu flingues d'une pierre de coup, jackpot, l'écologie et la santé.